Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser un tutoriel nail art. Alors j'ai mis des couleurs très pastel, j'avais envie, je sais pas, j'ai envie de couleurs en ce moment, c'est bientôt le printemps. Donc ça va être un nail art avec des effets un peu marbrés, avec des petits motifs un peu style aztèque par dessus. Donc alors pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'une base à vernis et d'un top coat. Donc moi je vais utiliser les Mavala. Vous allez également avoir besoin d'un vernis blanc type effet blanco sur les ongles pour vraiment qu'il soit très très blanc. Vous allez avoir besoin de 3 vernis de couleur pastel. Alors vraiment choisissez les vernis que vous désirez. Moi j'ai choisi un rose pâle de la marque Je mets Maybelline, un vernis jaune H&M et un vernis vert Kiko. Je vais venir également utiliser un feutre Posca. C'est pas un marqueur, donc faites attention vraiment quand vous allez choisir votre feutre, pardon. C'est un feutre à base d'eau, il me semble, donc c'est vraiment très facile à retirer. Il n'y a même pas besoin de dissolvant ou autre, ça part à l'eau en fait, il n'y a pas de souci. Et donc la mine est comme ceci, elle fait 7 mm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de plastique. Alors je vous déconseille le film plastique, le résultat sera pas pareil. Donc moi j'ai tout simplement pris un sac plastique chronodrive, j'ai découpé un morceau dedans et ça fait largement l'affaire. Et il faudra pour finir du dissolvant pour enlever tout le vernis qui dépasse. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile à réaliser. D'ailleurs, si vous réalisez le tutoriel, n'hésitez pas à le poster sur Facebook ou même sur notre Twitter. Ça nous fera plaisir de voir ce que vous réalisez, tout simplement. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, les filles. À bientôt.